Bon, mais écoutez, c'est parti. On retourne techniquement sur la planète Kobo. Donc, je pense qu'on va aller à notre vaisseau pour y aller, évidemment. Là, pour ouvrir, j'ai oublié, c'est ici. Cette petite boule de merde qui sert à rien. Voilà. Monsieur. Maintenant que Mérine est avec nous, on peut peut-être passer sur Coruscant. Gap sur la meilleure gargote de Kobo. On est arrivé. Attache-toi. Bienvenue sur Kobo. Cal, je suis contente de te revoir. T'as raté toute l'action, c'était horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pierres nous ont encore rendu visite. Ils se sont entichés du droïde que t'avais trouvé. Zed? Ils l'ont embarqué, Cal, sans ménagement. Zed a été enlevé. J'espère que ça nous l'est intact, Torgle. T'as pas intérêt à être responsable de tout ça. Je suis innocent, monsieur Grise, promis. Dagan les a envoyés. Il veut Tanalor. Alors Zed doit être plus importante qu'on le pensait. C'est forcément lié à ces banques mémorielles. Il faut qu'on la sauve. Quand il aura ce qu'il veut, il l'enverra à la casse. Ça sera pas facile de la récupérer. La base des pillards est dans le marais. Ils ont éventré un vieux vaisseau de combat Luke Hulk de la guerre des clones. On l'a vu. Ce truc a une sacrée puissance de feu. Nous aussi. Elle a raison. C'est le moment de frapper. Je sens que ça va me plaire. Maintenant qu'ils ont ce qu'ils voulaient, ils sont dans leur forteresse et ils se croient à l'abri. Ils ne verront jamais le coup venir. Peut-être pas, mais si tu te trompes, ils chercheront à se venger. Vous inquiétez pas, je resterai ici pour protéger Grise et les autres. T'es sûr? J'ai confiance en vous deux. Mais surtout, le laisse pas nager sans surveillance. Dis-moi si t'as besoin d'aide. Jolie H. Je m'appelle Mozi. Mérin. Bon, sur ce, je pars d'abord. À toutes. On y est avec un collègue. Un petit cheval. Moi je pense que c'est quand même vers là hein, parce que pour avoir autant d'ennemis sur mon chemin, à mon avis, c'est pas pour rien. Du coup on refait tout le chemin qu'on avait déjà fait une fois. Le chemin des enfers. Oula, petite latence là par contre. Pourquoi il y a des lasers de partout maintenant? Ah oui, je suis con, c'est ce que j'ai fait à mon premier passage. Ah oui, pas fait gaffe. Ah, nous y voilà. Ah. Donc ça, c'est la base des pillards. Je te vois, j'arrive. Toujours en vie? Quelqu'un t'a repéré? Moi? Aucune chance. À quoi on a affaire? Aucun signe du droïde? Un genre de porte de service. On devrait pouvoir entrer par là. Ça a l'air d'être notre meilleure option. Il va falloir passer par ce marais pour atteindre le Luke Hulk. Parle pour toi.
Je t'emmène, BD. Ok. Quand tu seras prêt, passe ce portique. Je te surveille. C'est noté. C'est une façon de pas se salir les bottes, hein? Ça fait un peu étoile de la mort, là, ce truc-là. On va aller secourir Z. Puis en haut, t'as la tour des Avengers. Difficile de croire que quelque chose puisse vivre dans ces marais. Notre petit camarade a l'air de bien s'en sortir. Et ensuite ? Ah, je vais au bout là-bas. Tu vois ce bâtiment, BD ? Quelqu'un vit sans doute ici. Ou vivait. Truc à droite là ? C'est quoi ça ? Je te laisserai pas ici. Vous en faites pas pour moi, ça ira. Mais on doit retrouver mon bloc de données. Ma vie entière est sur ce bloc de données. Bonjour. Cal. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je te retourne la question, Zig. Je suis venu chercher Zed. Oui, moi aussi. Et je suis Winnie RS. Cal, c'est ça ? Nous venons tout juste de nous rencontrer, mais j'aurais besoin d'aide. En quoi puis-je vous aider ? On m'a dit qu'il y avait un oiseau dans les marais, doté d'un plumage somptueux. Mais quand j'ai essayé d'observer un spécimen de plus près, il a arraché mon bloc de données et il s'est envolé. Où il est parti ? Ils ont fait leur nid au sommet d'une flèche, pas loin. J'irai bien, mais Winnie préfère que je reste avec elle. Oui, la flèche, là. Si loin et si proche à la fois. Je vais voir ce que je peux faire. Quelle étoile vous faites. Ah, c'est une expression de Coruscant. J'aurais pu me contenter d'un merci, Cal. Ouais. Moi, ton nom... C'est plutôt moi qui ai aidé. Je peux pas déplacer ça. Mais il n'y a pas d'autre moyen de grimper sur le pilier. Pas tarder à apprendre cette compétence, à mon avis. Il est très haut. Allez. Ah bah voilà. C'est caché. Allons voir. D'accord, d'accord. Je regarde. Voilà. T'es déjà monté à bord d'un vaisseau aussi grand, mon pote ? Ouf. Moi, ça fait longtemps. Et j'ai pas hâte. Mais Z se trouve là-dedans. C'est un vaisseau, cette base. Bah putain. Oh, il y a du droïde. Ça va être une mission assez sombre, à mon avis. En pleine nuit comme ça, là. Et voilà. T'es prêt à libérer un droïde de la Haute République en brin excentrique ? Oui. Et toi ? Je suis là, non ? Patrouille en cours. Fais en haut. Ah ! Tout de suite. Aïe. Wesh. Mes troupes vont s'exterminer.
Voilà, nickel. Tu peux briser ce coupleur ? On va bientôt le savoir. Voilà. Dans le doute. Pour faire un chemin. Faut être serein quand tu sautes. Hein. Tu sais, un jour je me suis introduit dans un cargo sur Denab. Ah ouais? Des conseils? Non, rien à voir avec un Lucaroc. Je sais pas pourquoi j'ai... Tu peux dégager le passage? Ouais. Tout à fait. Hâte de parler. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Pas étonnant qu'ils aient perdu. Allez, on avance. T'aurais pas dû te mettre sur notre chemin. Voilà. J'ai jamais douté de toi. Continue. Je vais faire un tour et m'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Sois prudent. Ça one shot, c'est trop stylé, mais c'est beaucoup trop lent, c'est dommage. On nous attaque ici. Arrêt au combat. Bouclier de périmètre. Affirmatif. Il me faut un vrai combat. Prends ça. J'ai survécu à pire. Maintenant, tout le vaisseau sait qu'on est là. Ah non, juste à côté. Eh ouais, mec. Allez, en route, les gars. Le tuer ne nous arrêtera pas. Je suis intouchable. Ah. Ici, BD. On poursuit. Comment ? J'achève la cible. Une porte bloquée. Je me demande si... Ah. Je m'en vais. Ah oui, t'es là mon collègue, non ? J'ai même pas fait gaffe. C'est du shooter.
Oh, c'est pas mal déjà. Votre défaite est proche. Voilà. Attends, t'entends ça? Des droïdes EK. Oh, génial. Oh, je les kiffe ceux-là aussi. Y'a pas un délire de... Non, je croyais qu'il y avait un délire de bouclier. Mais non. Il reste plus aucun. La première fois contre des droïdes EK, c'était avec mon maître pendant la guerre des clones. J'ai paniqué. Mon maître a dû s'en charger. Il serait fier de toi. J'espère. Pile ce qu'il nous faut. Bon, voyons un peu ce qu'on a là. Un turbolift. C'est bien qui je crois là-dedans. Laisse-moi regarder un peu. Oui, c'est Z. Ah. Qu'est-ce qui va? La tour de contrôle. Alors c'est notre cible. Cal, t'as vu ça? Des droïdes. Oui. On avait payé. Regarde ces câbles. J'ai un plan. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je pourrais faire du bruit, ça les attire et tu te faufiles. On se rejoint au turbolift. Qu'est-ce que t'en dis? C'est risqué. Ça fait un moment qu'on est au-delà de ça. Bonne chance. Toi aussi. Allez, moi je passe par où? Ah bah voilà. C'est où les gens là? Wow! Je suis serein là de faire ça moi. L'astuce c'est de courir. Courir. À présent faisons quelques tests. Droïde. Lui c'est la voix du mec qui fait 3 mètres de haut là. 5 sur 5. Cette tête violette là. Ah. Oh, bonjour vous. Aïe. Bah, tu vas peut-être régler ça au final donc. C'est que des gratinures. C'est pas encore fini. Très bien. Habile. Que des mots. Ouch. Aïe. Bouh. Pareil. Non, mais qui a besoin d'un marteau de cette taille? Il en aura plus jamais besoin. On n'a pas trouvé comment. En fait, j'ai capté, l'astuce c'est vraiment le contre. C'est pas l'esquive, parce que l'esquive c'est pas assez fluide, c'est pas assez réactif. C'est vraiment le coup de contre avec son sabre. On doit l'ouvrir. Ouais, je vais faire de la merde. Oh oui, je vais faire de la grosse merde. Là, c'est quoi le bail? Qu'il y a des rampes. Est-ce que faut que je cours sur le côté? Ah oui, je suis le premier coup, mais j'étais pas serein en faisant ça, moi. Eh, hey, regarde ça. Tu peux la câbler? J'ai une idée. Ok. Et maintenant? Oh, les biscottos. Pas oui, d'accord. On va les éliminer.
ne céderai pas. J'en sors bien. Occupez-vous de lui. Voilà. Il y a des ennemis pas loin, je te couvre. On a de la chance. Moment de le suivre. Altérer la formation. Je combattrai jusqu'au bout. Putain. J'ai plus de vie, donc si je meurs, ça va être chiant. Allez. Les autres compars ont disparu. Je parie que c'est à cause de Santarikri. Sans blague. Elle a envoyé Zed à la cuve à Bacta. Il doit y avoir des trucs qu'on sait pas. Ah. Cinématique, c'est mieux aussi. Bon, on sauve Zed, on se tire d'ici, on trouve Tanalor, et après... Quoi? Je prends les choses une par une. Oui, mais concernant Meryn, c'est quoi la suite? Elle suit son chemin, je suis le mien. Ouais, il paraît que les Jedi évitent de s'attacher, mais... C'est vrai. N'oublie pas qui tu es vraiment. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que tu dois écouter ton cœur. La situation fait qu'empirer. La vie est précieuse. Et le bonheur aussi. C'est pas aussi simple. Si, c'est aussi simple. Si tu vois un avenir avec Meryn, ne le laisse pas filer. J'aimerais bien, sauf que... Je peux pas... Oh... Baud. Hey, des tas de ferraille. Par ici. Un peu plus près. Parfait. Merci. Je vais chercher un autre chemin. Retrouve ce droïde. Et reste en vie. Il me le dit qu'à moi, mais ça se trouve c'est lui qui va crever. C'est pas impossible d'ailleurs. C'est même pratiquement sûr. Tac. C'est pas très engageant. Je vois rien. Ok. Je crois que personne n'est venu ici depuis longtemps. Je suis allé là au hasard. Oula, il y a des droïdes, là j'aime pas ça. Les droïdes du complexe de la forêt. Ok, rien à voir. D'accord, ah, pas par là alors. Bon bah. J'aimerais bien avoir un point de sauvegarde, vraiment par contre, parce que... Dagan va détruire Zed pour obtenir ce qu'il veut. Il est obsédé. On n'aurait pas dû la laisser à l'avant-poste. On doit la sauver. Est-ce que des chemins étroits là? Ah! Tiens! Bah ça c'est insolent. Bien audacieux.
Mais... Le voilà. Vous allez en faire quoi? Ça... Ça ne te concerne pas. Et ça, c'est pour moi. Ah ben voilà. Ah! Ouais. C'est ce qu'on appelle un joueur cancer. Oh non! Enfin, un boss alors que j'ai pas de sauvegarde. Oh, c'est bien ça! GG. Merci BD. Le petit robot était plus efficace que moi, c'est nickel. Oula! Ça sent l'esquive ça. Non, même pas. Là, wow. Mais ils sont après nous. Il faut qu'on sorte d'ici vite. C'était bien vu. La solution d'un problème réside parfois dans sa structure. Il faut envisager la situation sous tous les angles possibles. Ah ! Soulever et écraser. C'est bien ça. Mais nickel. Tu m'offres un nouveau point de vue, hein, chérie ? Ça va, BD. On y va. Tu sens le truc de faut fermer la porte devant la gueule du méchant de 3 mètres là, pour pas qu'il nous déglingue. Concentre-toi. On doit récupérer le synthoniseur. Il permet d'accéder à tout ce que Cree a verrouillé. Ouais, parce que maintenant on devait récupérer un robot, maintenant on doit récupérer notre carte. Bon chier. On va faire étape par étape. Ah non, c'est qu'on peut descendre celle-là aussi, d'accord. Mais putain, mais... Faut éclairer plus fort les trucs, hein. Et ensuite... Parce que de base, il y avait Z ici. Et je sais plus c'est quoi l'objectif de base. Ça, ça sert à rien. Ah. Et on se refaufile. Ah. Centauri, ton œuvre est sans pareil. Mais envoyer un droïde au lieu de m'affronter, c'est une telle couardise. Ce n'est pas cher payé pour avoir été épargné. Dis-moi, tu as apprécié la mort du Jedi? Il a fui. Toutes ces années d'incarcération t'ont affaibli. Pas au point d'ignorer que le Jedi pourrait t'égaler. Redis ça et je t'arrache la langue. Elle repoussera. Dagan, écoute. Le Jedi est dangereux. Plus depuis que nous avons ça. J'ai déjà dupliqué les fréquences de l'appareil. Nous avons accès à tout ce qu'elle a scellé. Bien joué, Revis. Toi, active le complexe de la forêt. Va sur la lune brisée. Je sais où Centauri a caché le dernier combat. Dagan. Quand tu l'auras, je considérerai que j'ai tenu ma promesse. Et ensuite, mon vieil ami? La galaxie a changé. Les guerres sont nombreuses, mais il y a peu d'honneur à en retirer. Une fois sur Tanalore, nous pourrons imaginer une nouvelle guerre ensemble. Partant?
que je parte, veux-tu que je détruise le droïde? Non. Centauri a sûrement purgé sa banque mémorielle. Il ne sait plus rien du compas. Je vais le réduire en pièces détachées et le reprogrammer pour me servir comme il l'a servi. Moi, c'est un peu pareil. D'accord. Bon. Voilà. Et du coup, là, faut rentrer chez moi, Ah. Encore un point de sauvegarde. Il n'y a que la force. Bon, on y va. La Gane pourrait être n'importe où. Prêt, BD? Si t'es prêt, alors je suis prêt. Zed! Tiens! Attends, Zed. Je vais te sortir de là. Dépêche-toi, Cal! Il va me reprogrammer! Ce droïde est à moi. Oh merde. Je vais devoir me sauver moi-même! Alors tu as vaincu Révis. Comment? Oh, la routine. Tu as tué tes compagnons Jedi. J'ai tué ceux qui se sont opposés à moi. Laisse-nous, ou va les rejoindre. Même si tu penses que le Conseil t'a trahi, ils étaient ta famille. Quelle arrogance de ta part de prétendre connaître mes motivations. Ce que je sais, c'est que ton obsession pour Tanalor t'a aveuglé. Sache que quoi qu'il arrive, tu ne peux pas changer le passé. Crois-moi, ça je le sais. Tu as peut-être raison. Le passé est une entrave. Et je dois la couper! C'est la basson. Cette tenisseur est à moi! Le droïde est à moi! Tanalor est à moi! Quitter son truc là. L'être gris aurait dû vous laisser pourrir dans cette ville. Liberté. Tiens bon, Zed. Deuxième fight. C'est la merde. Calme-toi par contre, frérot. On va faire un truc. Reviens affronter. Faible. Vermine. Tu échoueras. Je sens ta peur. Pathétique. Ouais. Putain. De Dieu. Tanalor est à moi. Et j'abattrai tous ceux qui se mettront en travers de mon chemin. Hey! Imbécile. Voilà.
Ok. Alors c'est lui le type dont tu parlais. Oui. Plus amical que jamais. J'ai assez perdu mon temps. Tu t'en tireras pas aussi facilement. Merci. Deux guerriers au summum de leur pouvoir liés dans la fraternité. C'était une des légendes. Zed. Je m'en occupe. On se retrouve là-haut. Ah, elle a disparu. C'était un très très beau combat, en tout cas. Ah, là-bas. Allez, Zed, on continue d'avancer. C'est plus sage. Dagan Gera est hors de lui. Il n'arrêtait pas de parler d'une espèce de compas. Ton maître les a créés pour ne pas se perdre dans l'abysse. C'est la première fois que j'en entends parler. Elle a effacé ce souvenir de ta mémoire. Ça expliquerait beaucoup de choses. Eh bien, Dagan est certain qu'elle lui a laissé un compas qu'il doit retrouver. Espérons que c'est vrai. Dagan a envoyé Révis sur un autre complexe sur la Lune. On le trouvera peut-être là-bas. Retour sur la Lune. Super. Donc c'est quoi? Il y a trois compas comme le mien. Les gens sont compliqués. Elle pensait peut-être que Lord se trompait. Ouais. Je t'ai coupé la parole. C'est l'issue la plus sûre. T'en es certain? Non. Bon, d'accord. Tu sembles nerveux. Je vais avec lui. Monte à bord, Zed. On se retrouve à l'avant-poste. Ouais, j'arrive. Je déteste ces trucs. Ouais, c'est dégueulasse le vaisseau maintenant là. Genre c'est une capsule où tu te crashes forcément ou... Je suis pas allé très très loin. Rappelle-moi de ne plus jamais faire ça. Dagan a dû envoyer Révis chercher le compas. Peut-être que le complexe de la forêt alimente quelque chose sur la Lune. Bah, c'est qu'une supposition. Mais si Révis se dirige là-bas, alors c'est là qu'on doit aller, nous aussi. Ah. Ah si, c'est ça.
Salut. Vous avez de la priorite sur vous? Non, j'en ai pas. Alors vous êtes rien. Moi j'en ai. Ça m'a pris la journée pour en trouver. Je peux voir? Bon, j'ai menti. J'en ai pas. Je suis un raté. Bah casse-toi, frérot. Que j'en ai à foutre de ta vie. Lui, c'est fait exprès de nous faire un gros détour pour qu'on retombe sur ce petit bateau là. Il est content? Voilà. Maintenant, tu peux y aller. Maintenant, il n'y a même plus besoin d'aller dans la flotte. Toi, tu bouges pas beaucoup. Oh là. Menace identifiée. Armement avancé. Analyse des dégâts. La cible est blessée. Voilà. Allez, ça c'est fait, prends chez ta mère. C'est une petite tête bec ça. Oui, c'est bien ça. Ça va plus vite. Voilà. Ah, enfin, on a fini ce grand détour. On va pouvoir se poser dans le vaisseau, sauvegarder. Puis on est bon. Puis après on va retourner à la truc lunaire, je sais pas quoi là.